prenez vos patrouilles. Il y a d'énormes pics d'énergie dans les installations du projet IAPA. Ça sent pas bon. Notre homme lézard doit tenter de rejoindre le vaisseau mère. C'était une blague. Question de timing, mon ami. À vrai dire, il a peut-être raison. S'il y a eu un lancement, ça pourrait expliquer le pic d'énergie. Voilà les données récupérées au cœur de la tornade. Espinosa développait une autre arme mobile, plus perfectionnée. Et si elle n'était pas en construction? Si elle était prête? Ça a toujours été le but d'Oscar, de combiner la technologie des trois sites. Une arme capable de créer n'importe quel type de tempête. N'importe où. La forme finale d'y a pas. Quelle qu'elle soit, on doit à tout prix l'arrêter avant qu'il la lance. Avant toute chose, on doit neutraliser le cœur de Blizzard qui protège y a pas. Alors, c'est quoi le plan, gamin? Lanza, quand vous serez dans le train, vous apporterez le chasseur de tempête à la gare située au pied du projet IAPA. Ok. César, nous, on prendra le chasseur de tempête jusqu'au centre du Blizzard. Ensuite, tu localiseras le cœur avec son équipement. Quand tu l'auras trouvé, je le détruirai. Je conduis. Non. Ok. Une fois le cœur neutralisé, on donnera l'assaut. Sargento, vous dirigerez les forces au sol. On va s'emparer de la tour. Vous pouvez compter sur moi, Rico. Sheldon, tu peux piloter un hélicoptère sans t'écraser? Et comment? Tu piloteras l'hélico de commandement. R. Sheldon, reprends du service. Et fais en sorte que Mira ait un bon point de vue. Mira, tu t'occupes de l'armée. Dès qu'on aura pris la tour, tu devras désactiver le lancement. Ce dernier cœur ne doit pas quitter la montagne. Ça va pas être facile. Prête pour un tour d'hélico? Ça sera marrant. Le projet IAPA s'arrête aujourd'hui. Et pour Espinosa? Espinosa, il est à moi. Ça entraînerait des pertes inacceptables dans les rangs de la main noire. Cette solution ne me plaît pas plus qu'à vous, mais il y a une foule armée jusqu'aux dents à ma porte. Je peux défendre la montagne. Vous avez perdu tous les autres centres de recherche. Le peuple solisien ose se soulever pour la première fois depuis 500 ans. L'armée du chaos de Rodriguez contrôle la majeure partie de l'île. Le projet IAPA devait être l'apogée de la contribution des Espinosa. Une technologie de pointe qui pourrait reconstruire la fortune familiale. Le cœur de tempête est tout ce qui importe maintenant. Faites votre mieux. Si ça ne suffit pas, je devrais intervenir moi-même. Argento, battez le rappel. Tous en rapport. Hélico de commandement prêt. On couvre tes arrières, petit. Ici César, chasseur de tempête en attente. Ici Lanza, tranche-neige en route vers IAPA. Soyez prudents, c'est le baroud d'honneur d'Espinosa. Il se rendra pas sans combattre, et nous non plus. Il ne lancera pas ce cœur. D'après mes données, le cœur de Blizzard d'IAPA approche de sa puissance maximale. Unité aérienne, attendez que Rico ait maîtrisé cette tempête pour approcher. On approche de la gare, il n'y a pas. Soyez tous prêts à ouvrir le feu. Mon oncle, pourquoi tu ralentis? C'est que... ils ont coupé l'alimentation de la voie. Je suis coincé.
Pas pour longtemps. Sheldon, avec moi. Compte sur moi, petit. On les allume. L'ennemi dans notre... Rico, il y a deux disjoncteurs en bas. En charge. Chance, Rico. César. J'attends, Rico. On y va. Oh la vache. J'ai ajouté des sièges chauffants. Pas mal, non? Ici César. Rico et moi, on se dirige vers Iapa. La tempête s'intensifie. On ignore dans combien de temps Espinosa va lancer son cœur mobile. Vous devez arrêter ce bizarre. Bonne chance, mes amis. Je détecte d'importantes pointes de courant dans le complexe, Rico. De la bobine à ion. Concentre-toi et trouve le cœur de Blizzard. On est encore trop loin. J'avais jamais rien vu de pareil. Ouais, aucun humain ne peut être à l'origine de ça. Je trouve pas ça drôle, Rico. On approche de la base. Tu peux trouver le cœur? Il est derrière ces portes. Il faut trouver un moyen d'entrer. Je m'en occupe. Easy. Pas facile de détecter des signatures thermiques dans cette tempête. Je vais faire pour le mieux. J'en demande pas plus. Saloperie d'orage.
César, les portes s'ouvrent? Ouais, on dirait bien. Et je détecte le cœur, tu peux entrer. Je suis à l'intérieur. Compris, t'as qu'à suivre les couloirs. Au bout, tu devrais trouver un ascenseur. Le cœur de Blizzard est enterré dans les profondeurs de la montagne. Impossible d'aller plus loin. C'est le seul chemin, Rico. L'ascenseur est dans la pièce à côté. Tu dois trouver... Je suis à l'intérieur. Compris, t'as qu'à suivre les couloirs. Au bout, tu devrais trouver un ascenseur. Le cœur de Blizzard est enterré dans les profondeurs de la montagne. Cette console. Je désactive le verrou gauche. J'ai atteint l'ascenseur. Je descends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'apprêtes à voir l'envers du décor. Je regrette de pas être avec toi. Sauve-toi, César. Je vais me débrouiller. Mira, j'ai trouvé le cœur de Blizzard. Avant d'injecter le virus, tu dois neutraliser les quatre stabilisateurs sur le bouclier du cœur. Entendu.
l'armée du chaos avance, mais on n'arrivera pas à temps pour empêcher le lancement. Si je coupe l'alimentation du cœur, ça arrêtera le lancement? Tu peux tenter le coup. Envoie-les en enfer, Rico! Regagnez votre poste. Qu'est-ce que je dois trouver? Des turbines à l'intérieur transfèrent le courant de la superstructure au cœur. Explose-les et fais-les sauter. Demande ce que ça fait. Thank you.
de... À l'étage suivant, Rico. Il reste une turbine. Turbine détruite. Ce cœur de tempête n'ira nulle part. Il est temps de rendre une petite visite à Oscar Espinosa. Yes! On va lui faire sa fête. J'entre. Espinosa! Montrez-moi ce que vous savez faire! Espèce de gros enfoiré! Rico Rodriguez, vous avez pris rendez-vous? Y'a personne de plus gros? Un instant, je vais voir ce que je peux trouver. Je vais te trouver.
Dégage! Vous allez encore gâcher. De belles paroles pour quelqu'un qui a déclenché une guerre civile fratricide. Rien ne peut donc vous arrêter, monsieur Rodriguez. On va le découvrir. De sbire ? Non, j'en ai encore plein en réserve. Bonjour, monsieur Rodriguez. Un instant, je dois juste lancer ça rapidement. Ah, parfait. Vous avez toute mon attention. Désolé de ne pas pouvoir être là en personne. J'ai un rendez-vous important avec vos vieux amis de l'agence. Celle avec qui vous avez conspiré pour assassiner mon père. Ah, quel gâchis. C'est grâce au travail remarquable de votre père que le projet IAPA a pu être construit. Quant à vous, l'avancée régulière de votre armée a donné à mes chercheurs le coup de pouce dont ils avaient besoin. Rico Rodriguez, toujours au service de l'agence, qu'il soit au courant ou pas. Alors je vais recevoir un chèque. Écoutez, j'ai un impératif dans une minute, alors je vais devoir vous laisser. Je vais vous trouver, Oscar. Non. J'en doute fort. Tout ce qui se trouve sur cette montagne est sur le point d'être anéanti par le dieu de la foudre. Quand vous serez tous morts, je remettrai le cœur de tempête à l'agence et je paierai mes dettes. Ils sont extrêmement impatients de recevoir leur nouveau jouet. Votre jouet n'ira nulle part, Espinosa. Oh. Le cœur a fini de charger une minute ou deux avant que vous coupiez le courant. Il se déploie en ce moment même. Saluez votre père de ma part, Rico. Pose-nous. Rico, il se déploie. Il va tuer tout le monde sur cette montagne. Mirage, te connecte au contrôleur de vol. Vite! Accès refusé. On peut pas arrêter la tempête.
Quel est votre plan, Rodriguez? Gabriela. Je suis ouvert aux suggestions. Attendez. On est dedans. J'ai désactivé le pare-feu. Je ne sacrifierai pas la vie de mes soldats pour la fierté de cet homme. Mais tu peux arrêter la tempête? Seul Espinosa le peut. Passe les commandes à Rodriguez. Il redirigera le cœur vers la mer. J'ai une meilleure idée. Rodriguez, votre obstination est remarquable. Est-ce que mon père vous a appris la devise de notre famille? Ce n'est pas le genre de choses dont nous discutions. Quand on se frotte au scorpion, il faut s'attendre à se faire piquer. Attendez! Non, non, attendez, on peut sûrement s'arranger! Franchement, vous comprenez que j'ai pu croire à des extraterrestres. C'était une soucoupe volante, oui ou non? Si vous saviez les projets qu'on n'a jamais finis. Hein, quoi? Oh, dites-moi ce que c'était! Izzy, viens par là. Tu dois essayer ça. Ah, je suis végétarienne. Mais c'est un vrai barbecue américain. Non, non, fiston, c'est pas ça le vrai barbecue américain. Ça, c'est des grillades. Le seul vrai barbecue, il vient du centre du Texas. Un peu comme moi, d'ailleurs. Il faut pas se frotter aux scorpions. Espinosa a dit un truc. Mon père et moi, on n'était que des pions dans un jeu plus vaste. Mais on l'a jamais su. Tu penses que c'est vrai? Ouais. Mais peut-être pas à Solis. Non, sûrement pas à Solis. La destruction du projet IAPA, ça a dû coûter des milliards à l'agence. En fait, on en revient toujours à l'agence. Eh oui, c'est vrai. Faut les éliminer. On va éliminer l'agence. C'est pas vrai. Ok. Je te suis. Tu peux compter sur moi, Rico. Sur nous tous. On a une armée. Pas mal pour un début. Venez, on leur en parlera demain.
et Santiago l'émission. Je suis toujours Santiago. Santiago, ça va mon pote? Ouais, ouais. Super. Abandonnez les recherches. Reprenez vos patrouilles. Je pourrais rester ici toute la journée.